Tadam! Man, chut, ça commence. Allô? Ouais, yo, la Good Vibe, la Salvation, ou bien? Oui, oui. Donuts, il m'a dit que tu faisais machine arrière pour l'histoire de la maison. En fait, c'est qu'Hector a acheté une partie de la villa aussi. Ouais. Il a mis avec moi et il veut pas vendre sa partie. Mais pourquoi il veut pas vendre? Mais parce qu'il dit qu'il veut pas vendre la villa. Mais il a dit que si vous vouliez, vous pouviez lui téléphoner. C'était par rapport à l'histoire de la villa. Ouais. Du coup, j'ai rappelé ta lady parce que j'étais pas au courant du truc. Enfin, j'étais pas au courant de tout le truc. Du coup, c'est mort ou c'est pas mort? Comme j'ai dit à Donuts, là à l'instant T, ouais, c'est mort. Ok. Par contre, le jour où Ange et moi on y pense, vous êtes les premiers qu'on va contacter pour ça. Ok, d'accord. Ok. Donc, c'est pas que parce que une promesse de vente, mais le jour où on décide de se débarrasser de la villa, vu qu'on sait que vous la voulez, on préfère. Enfin, on vous la fera passer en premier. What? Démission et nomination du commissaire. Quoi? Le commissaire Garnier, après de nombreux mois au sein du SPD, a gravi les échelons jusqu'au poste de capitaine, puis commissaire a annoncé sa démission pour des raisons personnelles. Ouais, mais c'est qui le nouveau commissaire du coup? Bah, c'est Stephen Owens. Et c'est qui le nouveau capitaine? Bah, on sait pas, ça va être la lady. Daryl! Non, c'est toi la nouvelle capitaine! Hein? Oui. C'est toi la nouvelle capitaine! Oui. Allez! Tu rends compte qu'elle est capitaine? Bah quoi, bah dans un sens c'est bien, d'un autre côté ça me rend nostalgique, mais ouais. D'être capitaine? Non, mais c'est juste que, tu vois, ça veut dire que j'aurais pu être capitaine, tu vois. Ah ouais, t'aurais pu être capitaine, de ouf là. De ouf. Non. Putain. Merci. Mais non, ouais. Rien mais... à foutre. Et tu montes derrière, comme les enfants, mais... pareil, punition. La pluie, mais sinon, je pensais à une... S'il te plaît, la pluie. Une esquée. Oh, la pluie. Ah, c'est encore une moto, putain. Vous avez une foutre moto. Viens, viens, mais viens, la pluie, elle s'arrête pas comme ça. Viens, viens, viens. Si, je vais faire la danse de la pluie. Je te protège. Ah, ouais, la pluie, bien joué. Je vais faire la danse de la pluie, elle s'est arrêtée. Ouais. Oh merde, laquelle est. Eh, j'ai un don, Gary. Vas-y, essaye, vas-y, appelle la pluie, moi. Ok, danse de l'orage, 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 ah ouais. Dans bon ouvrage, je renouve rage. Rappelle-moi ton je second métier, c'est quoi? C'est ce que j'allais dire. Yo, yo. T'es rappeur, toi, man? La voiture. Mais... Oh non, mais man, t'as même pas de casque. T'as même pas de casque. Man, monte, monte la colline. Monte la colline. Monte la colline, vas-y. Vas-y. Vas-y, la BF Castan versus les keufs. Oh, ça monte fort. Attention aux arbres quand même, il y a beaucoup d'arbres là où tu vas. Oh là là. Cache-toi. Vous avez pas vu mon copain Gary? Merde, ils m'ont vu, man. Oh ouais, non, mais t'es trop fort, c'est bon. Putain. Je me rends police. T'as déjà essayé d'appeler un numéro au pif, man? Non. T'as jamais essayé d'appeler un numéro ça au peut pif être grave drôle. Genre un numéro total au pif. Non. Et toi, t'as déjà fait? Non, je vais le faire maintenant, regarde. Hop, okay. Hop, j'appelle le 6942. Ok. Si ça décroche, man. Oh, c'est incroyable, ça décroche. Oh, on devrait faire ça, man. Ouais, et genre le mec qui décroche, il gagne une voiture. Ouais, de ouf. Oui, Gary. Ouais, on a une idée. Oui, dis-moi. Non, d'accord, ok, je sens ça pue. Ça pue ici. Non, ça pue pas, les lady. Yo, t'as la confiance ou bien? Ok, j'ai la confiance. Vas-y, on a une idée avec Donuts. Oui. Une fois par jour. Oui. On prend un téléphone. Et on fait un numéro au pif. S'il y a quelqu'un qui décroche, il gagne une voiture. On appelle ça le lucky call. Le lucky call. Le lucky call du Ryan's. Ok, ça marche. Je m'achète une voiture qui roule pas. c'est chiant à dire, mais c'est vrai qu'une voiture qui roule pas, c'est cool aussi. Tu vois, une voiture qui a pas de vitesse, qui a pas de... Voilà, on la custom pas plus que ça. Une voiture pour chill, tu vois, une voiture qui roule pas, quoi. Il faut un truc décapotable, mec. Non mais en plus, attends, faut un truc stylé, décapotable et que roule pas vite. Non, man. Et on se met des bâtons dans les roues, là, si on fait ça. J'en ai une.
Ouais, bah, attends, dans les classiques. J'en ai une, Vas-y. mec. Vas-y. Une Chino custom. J'avoue, une Chino custom. Hein. Ouais. Oh, sinon, il y a la Buccaneer custom. Hein. Oh, j'ai déjà eu la Buccaneer. Non, la Chino, c'est stylé. Oh, ouais. Oh, ça roule pas, man. Je suis à fond, là. Je suis à fond. 100% à fond, là. Oh, man, c'est parfait. Elle avance pas, la voiture. Oh, nickel. Elle avance tellement pas. Oh, oh là 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 là, elle a un comme ça. Oh, elle est violente. Oh, oh, oh man. Oh, man. Man, c'est tellement goyave. Elle est tellement goyave. Elle est goyave de ouf. Elle est parfaite. Oh, elle est trop bien de ouf. Elle est parfaite. Je la trouve trop belle. Elle est parfaite. Ah, mais tu sais pas ce qui s'est passé, Gary, là. Non, c'est passé que moi. Donc, en gros, pour résumer, on appelle Ryan. Si on arrive sur place, on nous dit non, on n'a pas besoin de vous. Le LSPD préfère appeler le Bénise. On leur dit que pour leur sécurité, il faut pas rouler sans porte, comme ils nous ont fait avec la Warrunner, etc. Warrunner, je le rappelle, qu'ils nous ont mis en fourrière et qu'on n'a jamais retrouvé. Ils nous ont dit, nous, on s'en bat les couilles, on est le LSPD, on va se démerder parce qu'on est plus fort que tout. Et derrière, ils appellent le Bénise dans le North Office. Et alors, attends, parce que le Bénise, je suis désolé. Moi, je lis tous les arrêtés pour me tenir au courant. Je tiens une entreprise. Oh non. Donc je lis tous les arrêtés et je me renseigne. Enfin, quand t'es patron d'entreprise, tu fais un minimum, tu te renseignes quoi. Ah ouais. Et là, ça fait deux fois qu'on nous chie à la gueule. Non, c'est bon. Non, mais... Moi, c'est bon là. Non, non franchement, non. C'est bon. Mais ouais, ouais. Que soit mis en c'est place bon ouais, une amende pour... forfaitaire pour non-respect ouais. de. Et quoi, comme ouais. disait Donuts, si on demande de l'argent qui sera reversé à la mairie de Blaine County, puisqu'ils sont. Oui, oui voilà. je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah, donc nous, on voulait que vous mettiez une amende pécuniaire à l'encontre du LSPD et du Beniz à votre bénéfice, c'est-à-dire que le Ryan ne toucherait rien du tout. Ça permettrait de vous aider, potentiellement de mettre des fonds pour les personnes du Nord, etc. etc. C'est tout bien pour vous et nous, on sera tous contents parce que comme ça leur fera des sous en moins. On veut en même temps des excuses publiques de la part du LSPD et du Beniz. Quand on dit public, hein, c'est un truc sur CNN où ils s'excusent publiquement avec un article qu'ils font poster ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas le décret, ils assument. Alors ok, donc du coup, on a eu le shérif et Monsieur Valo. Monsieur Valo a confirmé que le Beniz était bien intervenu au Nord. Donc du coup, ça nous va. On a ce qu'on veut. Okay. Donc sur ça, problème réglé. Je vais appeler l'SPI et je vais quand même appeler le Beniz pour les prévenir que ça risque de leur tomber sur le coin de la gueule. On va y aller par courtoisie, hein, mais ce sera une courtoisie de courte durée. Bien sûr. Deuxième chose, on était allé porter plainte du coup pour les agissements du LSPI sur le parking du... ici là. Ouais. Les deux agents présents ont reçu un blâme, du coup. Ok, bien. Ils se sont fait tapoter sur la fesse, quoi. Ouais, mais ouais, et il y avait eu autre chose. Ils doivent venir vous voir pour s'excuser. Les agents ? Oui. Ok. Ok. Voilà. D'accord. Donc ça, j'attends. Dès qu'ils vous ont fait le retour, vous me dites comme ça, éventuellement, j'archiverai. Okay. Ouais, ok, ça marche. Bah, on voilà. attend avec grand plaisir. Allez. Bah on est bon ouais. du coup pour ça. Ouais ça marche nickel. Oh, Eman t'es pas prêt. Non t'es pas prêt toi. T'es pas prêt. Non t'es pas prêt. Mais vas-y toi d'abord. Vas-y fais non, genre. Bah toi même t'es pas prêt Eman. Vas-y. Oh, bon, c'est... Oh, t'es pas allez. Prêt Eman. Allez. Quoi allez. Non mais t'es pas prêt Eman je peux pas te dire. Bah pourquoi. Bah parce que t'es pas prêt. Mais si, pourquoi je suis pas prêt. Il est prêt, allez, vas-y, accouche. Si tu me dis pourquoi je suis pas prêt. Tu dis juste ça pour que je te dise pourquoi tu dis que t'es pas prêt en fait. Alors que je suis prêt. Ouais alors que t'es pas prêt du tout. T'es genre absolument pas prêt. On y va là. Bah, je sais pas, t'as un truc à me dire ou pas. Non. Bah, tu m'as dit que j'étais pas prêt. Oui, c'était pour que tu me dises pourquoi ah j'étais oui, pas voilà, prêt. Ah oui, voilà, on est d'accord, t'as rien. Ouais, technique de fourbe, man, mais ça marche pas avec moi. Vas-y, t'es sérieux là. Moi, par contre, quand je te dis que t'es pas prêt, je te dis que t'es pas prêt. Mytho, vas-y, j'y crois pas. Il s'appelle Surprise, motherfucker. Ok. Non, le Riata. T'es pas prêt, man! T'es pas prêt! T'étais prêt ou t'étais pas prêt? Mais non, je m'attendais pas à rien. Allez! Pop, pop, pop! Viens avec moi, Gary. Ouais, pourquoi? Chérie, viens avec moi.
qu'est-ce qu'il y a? Et il y a un moment donné, il faut faire une excuse là. Il y a un conflit entre vous. Tout à l'heure, vous m'avez fait un pic sur Gary. Gary, des fois, il me fait des pics sur vous. Il y a un moment, il faut échanger. D'accord? Donc, mettez-vous là tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème entre vous? Monsieur Green ne veut pas comprendre que je fais mon travail et que je fais attention à lui et à votre sécurité. Il y a un braquage de banque. Je lui ai juste demandé de ne pas faire d'interview à ce moment-là. On était à un pâté de maison. Ben oui, et ben c'est tout Paléto qui est. Vous n'allez pas être au niveau de la banque, donc dans tout Paléto, l'intérieur de la mairie aurait dû être évacuée. Non, la mairie, elle était cloîtrée dans la mairie. Elle n'était pas dehors. Jamais, nous, on nous a dit faut pas sortir de la mairie. C'était écrit sur le truc de CNN, personne dans Paléto. C'est pas personne devant la banque, c'est personne dans Paléto. Je voulais réconcilier vous, mais c'est pas possible apparemment. Ouais. Voilà. Bah tant pis. Et bah moi aussi j'ai soif. Bonne soirée. Et demain c'est tenue burger chinois. C'est burger chinois. Tu veux pas qu'on fasse burger une tenue chinois? Vas-y, on peut faire une tenue chinois. Vas-y, deal. Oh. Il y a clip dans le rayon pyjama. Ah ouais. Man. Là, c'est un pyjama. Ouais, mais là, c'est un full pyjama, man. Non, mais moi, ça me va pas, ça. Il me faut une grosse chemise, non? Qu'est-ce t'en dis? Bah, moi, j'aime bien ta tenue. Ça fait très summer. Oh, c'est un basse-crème, là. Mais les baskets, ça va pas. Non, je me trouve beau gosse, là, quand même. Oh non, j'en ai marre d'être con. Putain, j'avais la ceinture, mais c'est un merde. J'en ai marre. Je vais faire une chanson sur la ceinture bientôt. Hein, tu sais, hein. J'ai pas mis la ceinture. J'ai pas mis la ceinture. Yeah, je m'appelle Gary, je mets pas la ceinture. J'en ai marre, j'en ai pas vu, je vais faire une compile. Albatard. Il n'a pas mis sa ceinture. C'est une habitude chez lui, non? Bravo. Bon, on peut lui greffer, vous pensez? Il faudrait des sièges enfants. Avec des. Il l'attache à chaque fois. Ce serait moi qui devrais l'attacher à chaque fois et être bien sûr que. Voilà. Franchement, on va faire ça, je pense. C'est l'heure de la bangossitude. Ah, j'avais un rendez-vous avec Pam et tout machin, j'ai trouvé une excuse, mais je crois qu'elle a capté hein, qu'il y a un truc qui se tramait. Yo Pam! Ah la classe! Hein. Comment ça va, Pam? La good vibe, la salvation ou bien? Oh non, la petite chemise ouverte. Hein. T'es prêt pour la soirée ou pas? Donc vous avez appelé ça comment Summertime. Yo, Pam. La summertime, c'est ça? Ouais. Allez, les mains, on bosse. Au boulot. Hop. La vente aux enchères va arriver. On essaye de faire bien. On se met bien avec tous les clients. On les fait raquer sales. Et Benny. Et Benny, t'as reçu un courrier ou pas ce matin dans ta poste? Je crois pas, non. Pourquoi? Bah regarde ce que j'ai reçu, moi, man. Avec une invitation Gold Premium VIP Poker Night. Oh, stylé de ouf. De ouf. Je crois que j'ai reçu moi aussi. C'est vrai? Ouais. Bah vas-y man, si t'es à la soirée Premium Night, on se fait une soirée Premium Night. Allez, on enchaîne avec une magnifique bullette. Une bullette, prix de départ 1000$, des enchères à 500 par 500. Je vous rappelle qu'elle est full custom, amusez-vous. On est parti. 30 000! On vient de me dire 30 000 pour monsieur devant avec le masque. 30 000! 30 500 pour monsieur à droite. 50 000. 50 000 pour c'est... monsieur devant. Quoi, là c'est qui la bullette 80 000. 80 000 pour ah ouais, okay. Voiture abordable. Ok, ça y est, on est reparti sur 1,5 million. On est parti. Le Dovstar 1,000$. 2000 en 1000, les paliers, bien évidemment. Vous êtes prêts? 1,000$. 2,000$ promotion. Qui c'est qui a dit 85 000? Qui c'est qui a dit 100 000? Non mais man. Alors attendez. Qui a 250? Oh là là. Monsieur là, qui a 250? Non mais nous on paye des. Et nous on paye des impôts sur tout ça les man, hein, yo. Ok monsieur. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte man. 200 000, qui a dit 200 000? Mais non mais c'est une venteuse en chair des pauvres là. 205 000 pour monsieur. Les riches là, ça m'énerve. 225, 250. Oh là là. 250 pour monsieur. Non mais un Dobstein. Ça a fait chier là le 6-6. Ah pff, ouais le 6-6. Après c'est un 6-6, fallait s'y attendre. Ouais. Bah la prochaine fois on prendra vraiment rien de. On prendra rien de à la mode quoi.
Man, tu veux pas qu'on achète un bateau, un avion? Si, c'est ce que je t'avais dit, un bateau. Un avion. Avion, je serais chaud. Dis-moi, Pam, t'as 2 minutes pour qu'on discute? Ouais. J'ai une question à te poser. On a une idée avec Donuts. On s'est dit, il serait peut-être temps de prendre en considération qu'il est vrai qu'il y a 2 potentiels clients au Ryan's. Ouais. Il y a le client qui vient nous vendre sa merde pour acheter sa merde. Ouais. Et il y a le client qui vient pour claquer de l'argent et acheter une voiture d'exception, tu vois le délire. Et du coup, on s'était dit, est-ce qu'il serait pas temps de faire en sorte que ses clients se sentent encore plus investis dans leur investissement financier? Tout à fait. Et qui se retrouve avec une prestation qui va avec la normalité de ce qu'ils viennent de dépenser chez nous, et que du coup ils se retrouvent, tu vois. Fait court. De quoi fait court? Oui, d'accord, ok, oui, la prestation. Et du coup, on voudrait acheter un jet privé pour pouvoir les emmener à Los Santos pour faire les papiers. On appellera les taxis et ils viendront nous chercher devant le jet privé. On les ramènera en jet privé. Mais sérieusement? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais d'accord. T'es d'accord? Ok. D'accord. Nice. D'accord, très bien. Et bon, on s'occupe de tout, t'inquiète pas. Salut la good vibe, la salvation. C'est parti! Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are actually at Los Santos, direction to Sandy Shore. Sandy Shore, estimate time of the flight is about 3 minutes. Oui. Nous vous rappelons que l'appareil est équipé de gilets de sauvetage qui se situe à l'arrière de l'appareil ainsi que de parachutes. Si vous n'êtes pas équipé de parachutes, la compagnie pourra vous facturer, bien entendu, le parachute à $150,000. Ladies and gentlemen, n'oubliez pas que les hôtesses de l'air sont uniquement là pour vous servir et pas pour vous divertir. On garde les mains dans les poches et on évite de regarder un petit peu trop en dessous de la ceinture. Allez, on est parti! Ah, les clients VIP, ils vont être VIP. Hein. Ah, bah là, ils vont être contents. Ah, ils vont faire un petit tour d'avion avant. Ah, ils vont être full VIP. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une fuite là. Il y a une fuite d'essence, non, c'est pas possible ou quoi? Arrête, me dis pas ça, ah je vais pas dire. Ah non, mais man, il y a peut-être une petite fuite d'essence, là. Après, c'est pas grave, ça a plein d'un avion. Hein. Moi. Et t'inquiète pas. Mais quand vous disiez un jet privé, vous disiez vraiment un jet privé? Bah, on a pris le jet. Ouais, on a pris un petit jet, quoi. C'est pas. C'est un petit jet. Oui, c'est un jetouné. C'est un rien, ça. C'est. Oh. J'ai envie de regarder les comptes là. Oui. Il est où l'argent? Il est où l'argent? De quoi? Parce que je me fais on va acheter aussi un hélico, comme ça on aura les deux. Quoi? Ah oui, un hélico. Non mais abusez pas, ça sert à... Non, y a pas besoin d'avoir autant là. Mais si, c'est important parce que si le casino il ouvre, nous on ira en hélico. Oui. J'aimerais savoir si il était discutable entre vous et nous d'avoir une autorisation de venir en hélicoptère sur le commissariat quand on veut faire les papiers. C'est pour les questions de rapidité, je t'avouerai. Voilà. Vous me laissez en parler avec. Ouais, bien sûr, il y a pas de problème. Okay. Y a pas de problème. Voilà. Mais sérieusement. Ah, écoute. Il tente rien à rien. Allez. Yo. Go yard check. C'est vrai. Les employés, Pam, elle a bien mis sa tenue. Ah, nickel. J'ai pas sorti le Riata et je me suis dit comme ça on arrive avec les deux. Riata, allez. Vas-y, man. Vas-y, je te suis, vas-y. Vas-y. À la mairie, vas-y, go, allez. Passe devant. Sérieux, là? Ah. Mais t'es sérieux, Donut? Ouais, toi. Oh, Donut, t'es mal garé, je trouve, hein. T'es mal garé, Donut, hein. Mais garé. Ah, bah attends, je suis coincé, là. Attention, man, Benny, attention à toi. Benny, attention. Oh. Yo! Bonsoir. Ah, nickel, ils t'ont habillé.
Mais je suis habillée comme ça depuis cet après-midi. J'ai fait tout mon après-midi comme ça à la mairie, en ville, à LS. Oh, nickel. Oh, bah, impeccable. Oh, bah, t'es paré pour l'action, là. Vous avez beaucoup de... Pas les lunettes. Bah, tout cela. Toute la ligne, là, sauf les 2-4-4. C'est à peu près c'est. Ok. Donc, tout ça, c'est à noter. Ok. Et après, c'est le moment de l'écu. Ok. Et on note à partir de quand? Bah, on va noter là maintenant. Alors, du coup, je vais vous expliquer. Donc là, toutes vos voitures vont être jugées esthétiquement par 3 juges, dont je fais partie. Il y aura également M. Donetz, là, juste là, ainsi que la grande présence de la grande prêtresse du Nord, Madame la Maire. De la Space Corporation. De la Space Corporation ce soir. Voilà. T'as mis une voiture, toi, Gary? Non, non, bah non, je peux pas participer, man. C'est moi qui paye le cash price de notre site des jurys et ça se fait ici, man. Je vais pas mettre de voiture. Bon, tu sais, à LS, ça choquerait personne. Ouais, hein. Ouais, mais bon, non. Non, peut-être la prochaine fois, mais le premier, tu vois, je vais le laisser comme ça, je m'en fous. Mm-hmm. Tu sais qu'ils en sont qu'à la deuxième voiture, là, on n'est pas rendu. Hein. Ouais. Il y en a 15 à faire. Hein. Bah, le shérif, il fait chier, là. Qu'est-ce qu'il a, le shérif? Qu'est-ce qu'ils font chier, mais vraiment, putain. Non, ils cassent les couilles pour avoir les parcours alors que ça fait 2 semaines qu'ils les ont. Mais ça fait 2 semaines qu'ils les ont là et puis ils les ont sur CNN. Ça me rend fou. Non mais le pire, c'est que s'ils les avaient pas, ils feraient pas chier à bloquer la course. Mais oui, bon, là ils les ont arrêtés, hein. Regarde Valélico. Non mais ils ont arrêté la course. Chérif, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Course illégale. Mais pourquoi? Parce que l'événement avait été annulé et il a forcé pour que l'événement soit, mais il avait été annulé l'événement. Il avait été annulé quand? Il avait été annulé hier ou avant-hier. Ah bon? Oui. Je vous la fais courte, ça reste ici entre nous pour l'instant. Là, l'événement avait été annulé hier par le shérif. Il a été annulé hier par le shérif parce qu'il s'est rendu compte qu'apparemment, Monsieur VDB aurait dealé la victoire avec un groupe criminel pour 150 000 dollars. Mais non. Si. Donc, le shérif a décidé, comme je lui ai dit que c'est nous qui avons payé la voiture, de laisser faire l'événement. Par contre, il veut le nom du vainqueur pour savoir s'il y a oui ou non malversation. Mais bon. Mais voilà, monsieur VDB nous l'a mis à l'envers dès le départ à vouloir dealer la voiture pour 150 000 dollars. Ça me dégoûte, là. Là, l'événement, il est mort. Hein. Bah ouais. Les gars, hein. Bah ouais, en plus, ils vont faire les courses. C'est la première, il y en a 3. Il y en a 3 et après, la course finale. Non, il y en a 2. Non, il y a 3 courses et trois courses et la course d'ici. Oh là là. Ouais, Gary. Ouais, Ririk, elle est où la course? J'ai gagné. Comment ça, t'as gagné? Mais je suis en finale. Quoi? T'es en finale? Bien sûr. Allez, pop. Bon, on arrive. Tu sais que je réfléchis sérieusement à me lancer dans une carrière professionnelle autre. Tu veux refumer des mecs? Non, de rentrer dans une carrière professionnel qui nous permettrait de peut-être pas mal, elle arrive dans le sens de la course, qui nous permettrait peut-être tu vois de promouvoir notre talent créatif. Tu parles de la musique? Non. Tu parles de quoi? J'ai envie de faire un film. Boom tom boom tom boom tom Oui, donc un film. Ouais, un film, tu vois, avec machin. Et puis, il nous faut un scénariste. Bah, non. Toi, Donuts, moi, et puis tous les RSR, et puis on prend des figurants, puis on fait un film. Ils font des aliens, et qu'on les chasse, etc. Ah ouais, et on fait un film, on fait un film. Ok. Ah, crissement de pneus. Ah, c'est une rouge, c'est non. C'est orange. Oh, ils sont tellement serrés, j'espère que c'est... c'est close. C'est close de ouf. Allez. Oh là là, il faut que ça soit Eric, man. Oh non. Ouais. Pas de regret, j'espère qu'il est troisième. Oh non. Ouais. Oh non, il est troisième, bon, pas de regret. Oh dommage, Eric, hein. Ouais, c'est pas grave, j'ai quand même gagné le concours visuel. Donc, ah ouais, d'ouf, avec une prairie en plus. Bah ouais. Il est cassé le mien, ça m'énerve. Ça me saoule, il est cassé, ça m'énerve. Il ne veut pas le Riata là aujourd'hui, ça me saoule. Oh là là, il ne veut tellement pas, man.
Il me veut pas le Riata. Il me veut pas, man. Il m'en veut là. Non mais. Non mais sans déconner. Il faut que la semaine prochaine, man. On rectifie le tir là. Il faut qu'on réunisse tout le corps des Space Rangers pour reposer les bases là, man. Ça oui, va voilà. plus là. Je sais ce qu'on peut faire. On peut faire un sommet du Space Ranger. On peut RSR. Faire un sommet du RSR ouais. sur le sommet. Du Mont Gordou. Du Mont Gordou, voilà. Lundi, je m'occupe d'organiser ça. Lundi, réunion lundi. Du RSR sur le sommet du Mont Gordou. I just got the check for depositing. $750 for the sound wave to get it processed. Won't stop till that shit weighing down my pockets. My main thing's still my main thing. She a blossom. When she eats the pain with the brain, she a doctor. She open up anything thicker than the plaque gets.